abonnés reçoivent chez eux un petit kit pour organiser une séance de dégustation à domicile. Dans ce coffret, on trouve deux bouteilles de vin sélectionnées par Alain Gousse, ancien sommelier notamment de la Tour d'Argent, du Crayon et de la Rotonde, et puis également un petit livret pour organiser la dégustation et apprendre à déguster. Dans ce livret, il y a un menu proposé par un chef pour accompagner les vins du coffret. Il y a une fiche de dégustation pour chacun des vins du coffret avec les trois étapes œil, nez, bouche pour pouvoir procéder à la dégustation de manière guidée. Et puis il y a également un mini cours d'œnologie et un petit dictionnaire avec les définitions clés du jargon du vin. Sur l'année 2013, qui était notre première année pleine, on a fait 500 000 euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on a près de 4 000 abonnés. Et donc du coup, on peut dire qu'on a un lancement qui est plutôt réussi. Maintenant, notre enjeu, effectivement, c'est d'accélérer cette croissance pour réussir à passer le cap des 10 000 abonnés d'ici un an. On a 4 formules d'abonnement justement parce qu'on a compris qu'il y avait différentes typologies de clients et qu'il n'y avait pas les mêmes besoins. Donc on a des gens qui se connaissent très bien, qui ont envie de découvrir les vins à l'étranger, donc du coup qui vont s'abonner à la box Invitation Voyage. On a des gens qui n'y connaissent pas. Pas forcément grand chose et qui sont plus intéressés par les accords mets-vins qui vont s'abonner à la box mariage du palais. Donc on a une clientèle qui est assez diversifiée, mais si on regarde au global les grandes tendances, on est 20% Paris, 80% province, donc on est France entière, c'est pas un truc juste de parisien. On a une moyenne d'âge qui, je dirais, autour de 35-40 ans, et on a un public qui est assez équilibré entre les hommes et les femmes. On travaille beaucoup sur l'univers de la famille parce qu'on s'est rendu compte que c'est un produit très familial, la boxe en fait. C'est souvent quelque chose qu'on offre à son conjoint, à son frère, à son père, à son cousin, à son beau-frère. Donc effectivement, nous, ce côté d'esprit de famille autour d'une bonne bouteille, c'est un des axes de développement de notre image et de notre marque qu'on souhaite pousser. On a trois gros enjeux en fait, hein, effectivement. On a un de nos enjeux qui est de continuer à développer la notoriété de la marque, la qualité de notre expérience client autour de la VTBox pour croître sur ce qu'on a commencé à poser comme fondation. On souhaite se développer de manière importante au Royaume-Uni, donc on a déjà un site qui est présent en Angleterre, on a déjà une première clientèle là-bas, mais c'est encore réduit et c'est effectivement un des axes de développement fort qu'on a pour 2014. Et puis, troisième axe de développement, on souhaite développer davantage d'autres produits et services autour de la dégustation, donc on est en train de réfléchir à différentes pistes qu'on a à ce sujet-là. À l'avenir, effectivement, on est en train de mettre en place de plus en plus des accessoires autour de la dégustation pour que l'expérience, quand on reçoit sa box, soit la plus riche possible. On a déjà mis en place, effectivement, un partenariat avec le Nez du Vin. On propose aux abonnés de recevoir des petits arômes du vin. Comme ça, chaque mois, on se constitue une collection d'arômes du vin et on éduque son air connaître les parfums du vin. On a mis en place aussi également, justement, dans le premier coffret qu'on reçoit, le petit pratique du savoir-boire qui reprend toutes les bases de la dégustation pour que tous nos abonnés aient un niveau en termes de dégustation intéressante quand ils commencent l'expérience avec nous. Et puis on est en train de travailler sur d'autres accessoires autour de effectivement comment est-ce qu'on sert le vin, comment est-ce que on s'assure qu'il soit à la bonne température. Donc pour ça on est en train de voir avec les fournisseurs comment est-ce qu'on peut avancer là-dessus.